Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec un nouvel mini-album photo que j'ai fait dans la semaine et que j'ai terminé aujourd'hui. Et bien sûr, j'ai utilisé la collection Fairytale. Il me restait quelques papiers. Maintenant, je peux vous dire qu'il ne me reste de rien en papier. Par contre, il me reste des décors, des chipboards pour faire du 3D. Voilà. Donc, pour cet album, la seule complexité que j'ai eue, c'est la reliure, qui est une reliure japonaise. Sur cette couverture, je suis venue mettre de la dentelle, donc les chipboards de la collection Fairytale. Et là, vous avez trois fleurs vertes de chez Florilège Design. Voilà le rendu de la couverture. Bien sûr, je suis venue faire un modèle en 3D pour mettre dessus. Voilà. Et c'est un album qui est tout simple. Là, voilà, vous voyez, je suis venue mettre de la dentelle à long ici. Voilà. Les chipboards et les photos. Donc, de la dentelle sur chaque page. Parce que comme c'était des papiers décor de 15-15, et puis ici vous pouvez voir que ce sont des chutes de papier qu'il me restait et que j'ai utilisé de l'autre album. Voilà. Je vous laisse donc découvrir cet album. Il n'y a rien de compliqué, ce sont des pages simples que je suis venue habiller. Voilà. Tout simple, tout simple. Et ça fait un petit album très sympa à faire. Et si je le souhaite, si vous souhaitez, vous pouvez mettre des photos sur les couvertures. Moi, pour ma part, j'ai trouvé qu'il y en avait assez. Voici pour cette vidéo. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et puis si vous voulez voir d'autres de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et là, je souhaite faire un petit rappel à la gagnante de mon tirage au sort, Florence Pergentini. Et l'invite à venir m'envoyer un message à l'adresse mail qu'elle trouvera en barre d'infos. Et donc, je vous dis bon scrap, à bientôt. Au revoir.